Le moment est venu d'ouvrir les nouveaux produits qui viennent de sortir de Lost Origin, pas le temps de niaiser. Nous allons ouvrir 5 Boost Bundles qui se retrouvent juste là. Ça ressemble beaucoup au Build and Battle Box, mais c'est totalement différent parce qu'il n'y a pas de carte promo dedans. Et tout ce qu'on a, ce sont des packs Pokémon. Vous allez voir ça, regardez ça, ça va être super génial. C'est la première fois qu'on voit ça, je pense en tout cas. Donc, ta-ta-da! Il n'y a pas de carte promo, rien du tout. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs Pokémon. N'est-ce pas magnifique? On peut dire que c'est comme des mini Boost Box. Au lieu d'acheter des boîtes de 36, on peut acheter des boîtes de 6 et puis le coût est quand même assez généreux, si je peux dire ça comme ça. Ça coûte autour de quoi? 25$ dépendamment du détaillant où vous achetez ça. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous voulez seulement des packs, vous pouvez acheter ceci. Torkoal, Arisu, Redken, Phoenix, Poliwag, Oddish, Rowlif, Slugma. Oh! Pikachu V, vous n'êtes pas sérieux? Les potos, l'une des cartes les plus rares de ce set, est-ce que vous êtes sérieux? Non, vous n'êtes pas sérieux. Oh! Regardez-moi cette jolie carte de Pikachu V. Oh, j'arrive pas à le croire. En plus, les conditions de la carte là, c'est magnifique. Ça va aller dans mon Master Set. Je me demande qu'est-ce que t'es en train de regarder, mon frère. T'attends que Mr. Red il fasse de quoi ou quoi? Voyons donc. Alrighty, boy. On continue l'ouverture. Je vous avais dit que ce truc là, c'est génial, man. Voyons donc. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va voir ici. Taux, énergie, feuille, panic mask, Seedra, Rhydon, Meditate, Scovet, Gligar, Phantom, Sudowoodo. Vibloom, Pokémon de la première génération. Mais ici, on a juste un Mimikyu. Je sais qu'il y a une tonne de Pikachu dans ce set et j'ai pogné l'un des Pikachu, ce qui est super génial. Il y a le Pikachu VMAX en or, le Pikachu VMAX avec le trainer qui est là, n'oubliez pas, mais en version VMAX. Mais en tout cas, il y a d'autres Pikachu à aller chercher. J'espère qu'on va les trouver. Donc, Snover, Rhyhorn, Aipom. Tu veux pas trouver Pikachu? Non. On a Raiden, Hisun, Sneasler, on l'a déjà eu auparavant. Et Greedon, qui est en train de somnoler, je ne sais pas pourquoi. Je veux tout simplement vous dire que les coûts des cartes que vous voyez en ce moment en bas à gauche de l'écran, eh ben, c'est assez élevé pour la simple et unique raison que le set vient tout juste de sortir. Alors, les prix sont assez bizarres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, dans quelques semaines, ça va baisser, ne vous en faites pas. Donc, Energy Feuille, Redken, Lost, Vacuum, Coscoon, Oddish, Rowlif, Lickitung, Slugma, Clefairy, Malamar, oh, tu veux révéler la carte, Steve? Qui était juste un Wyperior, malheureusement. À partir de maintenant, on va plus faire de card trick parce qu'on a vu les cartes communes assez souvent. J'ai déjà fait une autre vidéo sur ça et on revoit toujours les mêmes cartes. Donc, pourquoi révéler des cartes communes comme ça? Qu'on peut révéler ce genre de cartes et puis... Yo, c'est sûr que... Attends. Oh, c'est une Hollow Rare dans le Lost Zone. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé à ouvrir des cartes Pokémon après Sword and Shield, ce qui fait que je ne connais pas trop c'est quoi le Lost Zone, malheureusement. Mais bon, allez, on y va. Dernier pack de cette boîte. Et ensuite, on va ouvrir une autre boîte, les brothers. Donc, Jinx, Inkey, Scovet, Phoenix, Poliwag, Makuhita. Je sens qu'il y en a quelque chose de fou derrière ça. Ça brillait comme un fou, mais c'est un Drapion V. Je l'accepte, les brothers. Ceci est le troisième hit de ma première boîte et j'espère que je vais obtenir d'autres lotiques juste là, voyons donc. Donc, tous nos packs sont là, Telino. On en a 6. Oh, wow, yo, j'adore ces mini booster box. C'est crazy, man. Donc, nous avons Finneon juste là, Spinarak, Paras, Inkey, Basculin, Growlithe et, ah, derrière ça, on n'a rien du... En fin de compte, on a quelque chose, c'est Hisun Arcanine. Regardez comment il est majestueux, le mec. Vous ne trouvez pas les potos? Vous la sentez celle-là, les amis? Je sens quelque chose de fou qui m'attend. Comment vas-tu, Gardevoir? J'espère que je vais pas t'avoir en version Raiden. J'espère que je vais avoir une très bonne carte autre que toi, voyons donc. Parce que je l'ai déjà. Donc, Chopette, Murkrow, Raiden Stinix! Oh my god, c'est le troisième Raiden Boy que j'avais besoin pour mon Master Set. Ainsi que Banette Tellino. Oh, attendez! Lady, quel drôle de nom, oui. Viens ici, Pepito, j'espère que tu es super beau parce que tu vas aller dans mon Master Set. Alors, si je le vois dans la vraie vie, vous pouvez être sûr que je vais le capturer parce que c'est grâce à lui que je vais devenir riche. Il est tout en or, voyons donc. Alrighty, boy. Donc, Clefairy, Roselia, Inkey, Polygon, Blipbug, Panic Mask. Yo, ça me donne des cauchemars, ce truc-là, voyons donc. Et nous avons un Spiritomb qui va nous hanter. J'espère que non, pauvre, oui. Il nous reste encore 3 packs. Steve, choisis le bon pack qui contient une carte secrète. T'es capable? Oh, oh, oh! Ah, on ouvre mon pack en premier? Ok, le tien, on va mettre là. C'est bon? Ok, let's do this, my brother. Donc, nous avons...
Ah, c'est comme Astral Radiance. On a un petit coup voyant donc qui fait partie du TG. C'est TG25 et Dumpoint. It's a good job, V-Star. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, les brothers? Mon frère, j'espère que t'es pas en train de cuisiner ce mec-là, hein, parce que regardez la bouffe qu'il a sur son assiette. J'espère que c'est pas lui du tout, hein? Ben non, c'est une blague. Oh non, 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 non. On doit ouvrir le pack de Steve. My bad, man. J'ai complètement oublié. Donc, Clefairy, Roselia, Inky, Porygon, Blitbug, Riley, Winnie, I don't know. Oh, Raichu, regardez ça. Pourquoi il n'est pas super méga holographique? C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? On dirait bien que le petit chien envenimeux a perdu son pari. Le pack battle est à moi. Et puis, yo, j'ai comme vu quelque chose briller. Attendez. Finian, Spinarak, Pad. Oh my god, j'ai plié cette carte sans faire exprès. Regardez ça. Oh oh. Donc, Inkay. Vas-y, révèle ça. Je sais pas c'est quoi. Basculine. Charizard! Attendez, Steve. Il y a quelque chose d'autre derrière le Charizard, peut-être. Ah, ok, non, c'est un Bouffalon. Mais Charizard, est-ce que vous êtes sérieux, guys? Regardez-moi ce joli Charizard qui joue avec Leon. Je sais pas c'est quoi son nom en français, malheureusement, j'ai complètement oublié. Mais il est tellement cute. Wow, la carte est belle, les amis, je ne sais pas quoi dire. Mais bon, nous allons ouvrir ceci. Et je tiens à vous dire que le 35$ de ce Charizard, eh ben, c'est sûr que ça va baisser autour de 15$, 20$ dans le futur. Je sais pas si ça c'est une carte qu'on va recevoir de façon fréquente, mais c'est ce qu'on va voir. Plus tard, ben oui, quand on va ouvrir plus de packs. Donc, Poliwhirl, yo, tu t'amuses bien, mon frère, ça se voit, oui. Mais ici, Mr. Mime qui est coincé par lui-même, voyons donc. En ce moment, on a 7 bonnes cartes. Et je tiens à vous dire que dans ma première ouverture d'un boost box de 36 packs, on a eu 14 bonnes cartes. Et là, il nous reste encore beaucoup de packs à ouvrir. Donc, c'est crazy ce qui se passe dans ces mini boost box qui s'appellent des boost bundle, man. Oh, 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 un autre Drapion V. Yo, les amis, moi, je ne dis pas non. 8 bonnes cartes. Oh my god, les potos, j'ai même pas ouvert la moitié des packs que j'ai à ouvrir aujourd'hui. Donc, ça, c'est le code pour vous. Et là, on va faire pack trick parce que je sens qu'il y a quelque chose de crazy là-dedans. Énergie brun, Lampen, Iskan, Dottle, Goumi, Bronzer, Jinx, Inkay, Scovet, Radiant Steelix, oh my god, ok, alright. Et Dustox, c'est comme ça qu'on dit son nom? Je vous jure, on dirait qu'on est en train d'ouvrir des packs japonais où ce que dans certains sets, on a une bonne carte par pack, ce qui est totalement crazy. Ça me donne cette impression pour vrai. Et puis, yo, cette carte s'est ouverte tellement facilement, c'est fou. What the hell, bro? Sudowoodo, Phantom, Bronzer, Electric, Ghastly, Gliscor. Vas-y, Steve, révèle une méga bonne carte qui est Guinan qui a trop mangé au buffet chinois. Oh, le maudit, man. Mon petit Gardevoir, je te fais confiance, je sais que tu vas me donner quelque chose de crazy. Donc, on a un petit Léo qui est en train de jouer tout seul, voyons donc, pauvre lui, oui. Donc, Lost City. Hey, pourquoi c'est la zone Lost City? Et Raichu Boy, comment vas-tu? Je l'adore tellement, ce mec-là. Honnêtement, les petits trucs qui se retrouvent autour de l'illustration, là, c'est super nice. Moi, j'adore ça. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Donc, on y va. Dernier pack de cette boîte. Cette boîte était un petit peu moins fameuse que les autres, mais moi, je ne perds pas espoir. Il y a sûrement de quoi ici. Regardez ça. Derrière le Inkay. Oh my Jesus Lord, the fuck's me? Qu'est-ce qui se passe, mon frère, man? Non, mais regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bonnes cartes. Et puis, il y a des bonnes cartes qui sont tout simplement crazy. Et puis, il nous reste encore deux boîtes comme ça. 12 packs à ouvrir. Yo, les amis, la première fois que j'ai ouvert du Lost Origin, 36 packs pour 14 bonnes cartes. Ici, j'ai ouvert quoi? 6, 12, 18 packs pour... pour 10 bonnes cartes? Yo, le ratio est crazy, les amis! Oh my god! Donc, Scovet, Gligar, Phantom, oh, désolé, Sudowoodo, Bronzer. J'ai vu le frère de Sudowoodo et j'ai vu quelque chose qui brille. Oh! En plus, on pack des secrets! Allez, Zuripo! Oh my god! Les amis, je sens que je vais m'évanouir si ça continue comme ça, man! Est-ce que vous êtes sérieux? En plus, les conditions de la carte, 10 sur 10, ça vaut 10 millions de dollars, ce truc-là! Steve, est-ce que... je suis en train de rêver en ce moment? Oui. Oui, oui. Non, t'es supposé dire non, t'es pas supposé dire oui, voyons donc. Je suis en train de rêver. Ah, oh, derrière les Greenland, j'ai vu qu'on a... oh, quand même une Hunter Rare avec Trevenant. Yo, moi, je trouve que c'est acceptable. Steve, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui va briller là-dedans? Oui. Oui? Oh, 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 je crois que t'as pas raison. Horsey, Mawan, Shellos, Binnacle, Polygon. Vas-y, Steve, un petit Aipom qui s'amuse avec son frère. Ah non, il a fait sûr que c'est un Landorus, malheureusement. Zoro, Ark, je te fais confiance. Apporte-moi quelque chose de crazy. Pepito, let's go. Yo, j'ai même pas eu un seul Giratina encore. Est-ce que c'est tout à fait normal? Pikachu! Oh my Jesus Lord. Vas-y, Steve, révèle ça.
Dark Patch, c'est une très bonne carte pour les Pokémon. Désolé, pour les decks de Dark, Dark Pokémon. Yo, whatever, man. Yo, deux cartes secrètes dans une seule boîte. Est-ce que vous êtes sérieux? Je sais vraiment pas ce qui se passe, man. Dark Patch. Il y a eu un Pikachu? Oui. Mais c'est pas une carte secrète, ça, Steve. Les amis, je m'en vais au magasin. Je vais acheter toutes ces boîtes que je peux à partir de maintenant. Oubliez les booster box, voyons donc. Donc ici, on a Horsey. Vas-y, Steve, t'es capable. Ah, oh, come on! On a tellement eu de bonnes cartes que je m'attends à quelque chose de fou, malheureusement. Dernier pack de cette boîte et on va passer à quelque chose d'autre ensuite, c'est-à-dire la dernière boîte qui contient plusieurs bonnes cartes. Je peux tout de suite vous le dire, voyons donc. Donc, nous avons ici Radiant Gardevoir. Oh, wow! Let's do this, my brothers and sisters. C'est un double hit en plus. Vous n'êtes pas sérieux? Rodomvi! Oh my god, les amis! Est-ce que ce sont les Japonais qui ont packé ces packs? Ceci est notre dernière boîte, les amis. Donnez-moi une seconde. On a pogné tellement de bonnes cartes, mais pas un seul Giratina. J'arrive tellement pas à le croire. Mais voilà, je ne me plains pas. Moi, je suis trop content de ce qui s'est passé. Donc, ici... Oh, c'est de l'autre côté, ma bad. On va avoir tous nos packs juste là. Honnêtement, ces mini booster box là, vous devez les acheter si vous les voyez en magasin. Tout de suite, yo! Courez tout de suite à les acheter, voyons donc, avant que ce soit trop tard. Donc, Gumi, Bronzer, Snover, Jinx, Inkay, Cresselia. Vas-y, Steve. Oh, on a un petit bouffonnet, ça commence mal, mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Vous la sentez celle-là, les amis? Je sens qu'il y a quelque chose de fou qui m'attend. Let's go, Pepito! Wouhouhou! Donc, Paras, Zorua, Basculine, Inke, Jinx. Il y a tellement de Radiant Boys, man, Radiant Steelix, ainsi que... Oh, il me semble que c'est la première fois que j'ai cette carte. Party Rock! Je me rappelle que dans Pokémon Stadium, ce mec-là, il est super tanky pour quelconque raison. J'arrivais jamais à le détruire avec un seul Pokémon. Il m'en fallait toujours deux. Mais bon, donc, Mienfou, Gastly, Ducklett, Zorua, Bynacle, Castworm. Yo, je vous jure, dans la section des Reverse, on pogne toujours des bonnes cartes et... Il se Zoroark V-Star! Les amis, si ça continue comme ça, je dois m'acheter d'autres petits plastico parce que j'en aurai plus bientôt. Castform et Zoroark V-Star, ce sont des cartes qu'on a déjà eu auparavant. Ça, c'est le reste des cartes que je vous ai pas montré. My bad, les brothers. On passe au prochain pack. Let's do this. Yo, pour vrai, je m'en vais au magasin acheter ces boîtes-là tout de suite, man. Binacle, Polygon, Ducklett, Blipbug, Feneon, Litwick. Ok, vas-y, Steve. Je crois pas qu'on ait quelque chose là-dedans, là. Ouais, Politoed, ça se voyait déjà. Mais bon, ce n'est pas grave. Il nous reste encore deux packs. Steve, tu veux faire un mini pack badon une dernière fois? Ok. J'ouvre mon pack en premier, pas de problème. Let's do this. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Rumple, Murkrow. Oh, désolé. Horsey, Mawile, Shellos, Meditate. Et ici, je crois qu'on n'a rien du tout, hein. Oh, oubliez ce que j'ai dit, c'est Glastrier. Je ne sais pas, mais voilà. Le dernier pack de la journée, le pack de la destinée. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Mais avant tout, laissez-moi vous montrer ce qu'on a eu. On a eu 5 Raiden Boys, 3 vies normales, 1 vie full art, 2 vies star, 2 Pokémon normaux, si je peux dire ça, du Trainers Gary. Ensuite, on a un gros Pikachu vie qui est pas du tout normal. On a un Cook, 2 secrets juste là pour un total de 17 bonnes cartes en 29 packs. Le 30e pack. Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? Je vous ai dit, dans un booster box de 36 packs, j'ai eu 14 bonnes cartes. Alors, yo, ce qui se passe ici, là, c'est insane. Je crois que je suis en train de rêver, man. En plus, les cartes qu'on a eues, c'est tout simplement crazy, man. Donc, Seal, 18 bonnes cartes. Curiem vie, les amis, je ne sais vraiment pas quoi dire. Alright, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors aujourd'hui, on a fait quelque chose de fou. On a découvert que les nouveaux Boost Bundles, les petits trucs là, les petites boîtes qui contiennent 6 packs, sont les meilleurs. Vous avez vu le nombre de hits qu'on a eu? Yo, je sens que je vais faire une crise cardiaque, les amis. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Vous procurer l'un de ces t-shirts de fou grâce au site qui se trouve juste en bas de l'écran. Vous pouvez me suivre sur ces réseaux sociaux. Prata, dès que vous dites moi, tu as fait des Poto amigo, et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!